Salut à tous. Bon, bah, on est lundi 18. Voilà, donc on vient de se lever. La nuit a été bonne, hein, ça fait du bien quand même. Il fait très très beau. C'est très calme, très agréable. Voilà. N'y a pas de vent. N'y a pas un bruit. Aujourd'hui, le programme, c'est de faire l'avitaillement, enfin, en prévision. Enfin, dans l'ordre, je pense qu'on va commencer par aller voir les autorités portuaires, là, au niveau de la capitainerie, voir comment ils sentent notre départ. Je sais qu'en Espagne, juste de l'autre côté, ils ont le droit de circuler à 12 milles du point de départ. Ça fait vraiment pas beaucoup. Chez nous, c'est un peu plus compliqué, quoi. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut au niveau des maires, des ports. C'est pas encore au niveau national. Donc, je sais pas vraiment. Marie-Galante, elle, est sous pavillon anglais. Donc, je sais pas si ça va compliquer ou faciliter la tâche. J'en sais rien. Techniquement, aujourd'hui, ce serait bien qu'on puisse récupérer le pilote auto. Parce que sans pilote auto, ça va être raide quand même. Voilà. On va essayer de faire ça. Puis, continuer. En fait, il y a du boulot partout, quoi. Ce serait bien, c'est de réviser le moteur, le générateur, vidange, filtre. On aimerait bien partir jeudi. Ça va être dur. Là, au niveau de la météo, la mer est bien, hein, mais ça se calme de jour en jour. Donc là, on ne dépassera jamais 10 nœuds de vent. Donc on a 30 tonnes à faire bouger quand même. Bon, on va voir. Bon, je vais essayer de. Pas de petit déj parce que on n'a pas encore fait les courses, mais bon, j'ai de quoi faire un café puis manger une petite brioche. Ok, à plus tard. Non, je la descends pas, je suis en train de vider l'eau. Il va tenir, il fait chaud. Bon, voilà. Ça, c'est l'avitaillement. Ça, c'est Baptiste. L'avitaillement. Il tripote la bouche sans l'avoir désinfecté ses mains. Et on doit tout charger là. C'est parti. On va essayer. Déjà, on va essayer de mettre de la place pour les packs d'eau, packs de lait. Et après on va charger par-dessus. Ou alors on enlève ça et on remet ça par-dessus. Donc on va l'enlever, il y a tout qui va venir avec. Prends l'autre poignet. Pas de ménage.
puis pour nous, on... de toute façon, c'est souvent comme ça. Par contre, il va falloir faire gaffe au moteur là. C'est pas mal un truc sur la voiture. Et voilà, on vient d'en charger pour 235 euros. Donc là, il y a l'annexe qu'il faudra qu'on sorte pour mettre ça dedans. Donc le moteur, le machin, c'est super pratique, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Et donc là, on a les bidons qu'il faut aller remplir et on a super faim. Bon, il est 16h et on a le droit à la livraison du bot court quoi. Donc il y aura un voyage. 2, 3, 2, je sais pas. 2. Bon bah il n'y a plus qu'à décharger et puis à ranger. À tout à l'heure. Bon bah maintenant que tout est dans le bateau, il faut ranger. Donc moi je vais aller me baigner puis Baptiste va ranger. Donc normalement si tout va bien, deux jours après ça va avoir pas bougé. Il fait trop chaud. Il faut les mettre là mes mains. Donc on a fini l'avitaillement, il est 17h, donc le temps de tout ranger, bon, prendre le petit café, faire souffler un peu, enfin puis faire les navettes donc avec l'annexe. Donc là il est, j'ai pas trop envie de plonger parce qu'on est quasiment à la fin de la journée là, donc on s'occupe de la partie moteur. Donc je vous présente le moteur, voilà. Donc et là au fond il y avait finalement la pompe auto, le flotteur marche pas.
Donc il y en avait pas mal de flottes. Donc là on a vidé. Bon, je sais pas si vous verrez quelque chose, mais là on voit au fond la pompe tout au fond. Voilà. Donc là, il y a un filtre à gasoil. Donc là, pareil, donc là, ça doit être le filtre à huile, la cartouche d'huile, le liquide de refroidissement est là-bas. Là, on a le filtre d'eau de mer. Et là, il y a un filtre à flotte aussi. Je regarde à quoi il sert celui-là. Donc là-bas, on a un extincteur pour le moteur avec une tirette à l'extérieur. Ça fait vraiment un très gros moteur par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir, quoi, mais bon. Donc là-bas, on peut voir qu'il y a une fuite au niveau du liquide de refroidissement, mais bon, c'est pas alarmant. Voilà. Déjà pour la première partie. Bon, je ne sais pas si vous allez bien voir, hein, mais... Hein ? Je te filme en train de faire de la mécanique. Je vais pas me mettre le cube à l'air, je suis à poil. T'es pas à poil. Quand t'es en maillot de bain, tu fais comment? Donc voilà, donc Baptiste finit le nettoyage des filtres eau de mer. Donc on est passé donc en mode téléphone. Téléphone parce que la GoPro est tombée. Tu l'as fait tomber. Oui, je l'ai fait tomber. Donc ils en avaient besoin. Enfin, surtout un. Bah, d'ailleurs, le groupe, hein, le filtre du groupe, celui qui sert tout le temps, était super vaseux. Il est pas, ouais, il est pas mis de travers. Non. Trop bizarre. Tu trouves bizarre? Il est mis là? Non. Ouais. Je sais pas, bizarre qu'il force comme ça, rend le bleu. Ouais, pourquoi? J'ai moi qui glisse. Voilà, le genou est sorti. C'est impressionnant quand même. Ça fait une sacrée surface. Mais...